Vous avez 5 minutes. Merci. Pardon, Madame Corriveau. Hein? Qu'est-ce que tu Corriveau fait ici? Je suis venu pour l'école. Sage petit garçon. Merci. Il fallait bien que je visite ce beau village-là un jour. Ouais, mais tu te demandes pas pourquoi tout le monde est parti, là. Qui est parti? Oh, il devrait pas être là. Tu devrais être là. Petit gars, je suis pas sûr que t'es rien que venu pour l'école. Madame, je comprends pas. Ah, l'ignorance, c'est ça qui habite ce village de données-là. La tradition dit que... La tradition a pourri l'âme de chacun des villageois, t'sais. Qui a pourri l'âme des villageois? Les oh. De Marie-Joseph Corriveau? Oh, l'estime d'arrière, arrière, arrière... Oh! L'âme? Oh, tu te cherches pas la bonne place? OK. Il est temps que vous quittiez les lieux. Ça fait même pas 5 minutes. Vous avez assez chamboulé, Madame Corriveau. Ça va bien? Oui. Oui, certainement. Laissez-moi vous asseoir. Je reviens dans 2 petites minutes. Merci. Ça a bien l'air que quelqu'un est allé chez la vieille Corriveau. Je sais, j'ai entendu ça. Je ne savais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Voilà. Monsieur, vous voulez un café? Monsieur? Oui. Un café? Oui, s'il vous plaît. Café noir, crème, sucre... Oui. Oui, quoi? Vous voulez quel? Café noir, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce livre-là? Vous pourriez avoir des graves problèmes si la prochaine fois je renversais mon café sur ce livre-là. Oh, Non, mais si vous voulez, je peux vous le ranger. Non, non, c'est correct, si c'est correct. Je vais pas, m'en occuper moi-même. J'espère que le café va être à votre goût, monsieur. Salut Louis, nous sommes super heureux de ta visite. N'hésite pas à visiter les attraits touristiques de notre beau village. Bonne nuit. Salut Louis, nous sommes super heureux de ta visite. Tu ne cherches pas à la bonne place. Ignorance, c'est ça qui habite ce village de données-là. Qu'est-ce que vous faites avec ce livre-là? Il est temps que vous quittiez les lieux. La tradition. La tradition, c'est ça qui a pourri l'âme de chacun des villageois ici. Qu'est-ce que tu me caches, Adeline? Qu'est-ce que tu me caches?
Non, s'il vous plaît, partez, vous avez pas votre place ici. J'en ai juste pour quelques secondes, je vous en prie. Non, malheureusement, je peux pas vous laisser entrer. Et puis, mon petit gars! Tu te sens-tu bien accueilli ici? Hein? Non, justement, le monde est louche ici. On dirait qu'il me cache quelque chose. J'arrive pas à faire le lien entre les villageois puis ma recherche. Mais en même temps, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait me cacher. Les autres, ils aiment ça, les touristes. Ils veulent leur montrer juste les belles affaires. C'est pour ça que moi, je suis pas incluse là-dedans. Mais ça change rien. À part notre passé familial, il y a rien qui est supposé affecter ce village-là. Mais c'est pas notre famille, le problème. C'est eux autres, les hypocrites, les soumis, les rapaces, puis menteurs. Tous des menteurs finis. On s'en sortira jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Faut que tu regardes la vérité en pleine face. La vérité? Quelle vérité? Après le procès, après la place publique, après le vol des cages, il y en a eu d'autres affaires tout croche. Madame Corriveau, c'est l'heure du dîner. Des crimes? Des meurtres? Il y a des braves qui sont venus me voir pour en savoir plus. Tous du monde que j'ai jamais revu de ma sainte vie. Les autres, là, ils s'en sont sortis en obéissant, puis en crachant sur le passé. Madame Corriveau, on va aller se reposer maintenant. Le pire là-dedans, là, c'est qu'il n'y a rien qu'un responsable. Continuez, Adeline. Ne l'écoutez pas. Dieu nous guette, mon petit gars. Tu t'en sortiras pas. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, hein? Touche-moi pas. Louis, cher ami, j'attendais ta visite. Pardon? Je t'en prie, suis-moi. Explique-moi la raison de ta venue. J'aimerais vous faire part d'une crainte. Bien sûr, que Dieu t'accompagne, mon enfant. Mais qu'est-ce que... Parle, mon enfant. Qu'est-ce que Dieu réserve pour moi, Père? Un sort d'une grande importance et qui servira de leçon. Le destin de ce village est entre tes mains, Louis. Et sache en faire bon usage. Usage de la vérité? La vérité de Dieu. Hé! Hey, laissez-moi sortir, à l'aide! Laissez-moi sortir! Aidez-moi!